Je vous donner un exemple. J'étais l'année dernière en Inde pour une mission pour la Vierge. Y os voy a poner un ejemplo. El año pasado estaba en la India realizando una misión para la Virgen. Et j'ai visité dans le sud de l'Inde une école qui se trouvait au bord de la mer. Y en el sur de la India estuve visitando un colegio que estaba en el sur de la India, al borde del mar. Les sœurs catholiques qui étaient là m'ont dit que tous les jours elles priaient le rosaire avec les élèves. Y las hermanas católicas, las monjas católicas que estaban ahí, me dijeron que todos los días rezaban el rosario con los alumnos. Alors, je suis restée la bouche ouverte parce que j'avais jamais vu ça avant. Y me quedé boquiabierta porque esto es algo que nunca había visto hasta entonces. Et la sœur m'a fait monter sur la terrasse de l'école. Y me dijo la hermana que subiese con ella a la terraza del colegio. Et là, elle m'a dit, regarde, Sœur Emmanuel, à droite et à gauche sur les plages. Y me dijo, mira, Sœur Emmanuel, mira a la derecha y mira a la izquierda, las playas, la playa. Et quand j'ai regardé à droite et à gauche, c'était un désastre complet sur toute la plage. Miré a derecha y a izquierda y veía que aquello estaba totalmente devastado, totalmente la playa. Parce que dans cette région du Kerala, ils ont eu le tsunami. Porque en esa región del Kerala pasó el tsunami. Et la sœur m'a dit, mais regarde, Sœur Emmanuel, notre école, complètement intacte. Y me dijo, pero fíjate, Sœur Emmanuel, nuestro colegio, completamente intacto. Lorsque le tsunami est arrivé chez nous, l'eau s'est arrêtée à la première marche. Cuando llegó el tsunami aquí, se detuvo el agua en el primer escalón. Parce que ici, ma sœur, nous prions le rosaire chaque jour et la Vierge nous a protégés. Porque aquí, hermana, rezamos el rosario todos los días y la Virgen nos ha protegido. Je peux vous donner l'adresse de cette école pour que vous alliez vérifier, si vous voulez. Y os puedo dar la dirección de este colegio para quienes quieran ir a verificarlo. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas... C'est normal. C'est ceux qui vivent dans l'esprit de Marie, ils ont ça. Es extraordinario, pero es normal. Los que viven en el espíritu de María, así viven, tienen esto. ¿Sabéis qué está arrivé aussi a Hiroshima? ¿Sabéis también lo que sucedió en Hiroshima? Cuando la bomba ha éclaté, y hay des kilómetros, de désert de mort. Cuando estalló la bomba, hubo kilómetros y kilómetros cuadrados de desierto, de muerte. Mais au milieu de ce désert de mort, pas loin du point de l'impact, une maison japonaise complètement intacte. Pero en medio de ese desierto, totalmente intacta, una casa japonesa. Et 200 experts se sont penchés sur 200 experts du monde entier, scientifiques se sont penchés sur ce cas exceptionnel pour trouver la raison pour laquelle cette maison a été restée intacte. Y 200 expertos del mundo entero se han puesto a examinar el caso para encontrar el motivo por el que esta casa que estaba cerca del punto del impacto permaneció intacta. Ils n'ont strictement rien trouvé, la maison était normale, une maison, petite maison légère comme toutes les maisons japonaises. Ninguna justificación, era una casita normal como todas las japonesas. Ligerita. Cette maison est habitée par 8 hommes qui étaient en fait des jésuites. Y en esta casa vivían 8 hombres que eran jesuitas. Et ces jésuites, j'en ai connu un personnellement, eux savaient pourquoi la maison était restée intacte. Y estos jesuitas, yo conocí a uno personalmente, sabían el motivo por el que esta casa permaneció intacta. Et ils ont dit aux experts, arrêtez de perdre votre temps. C'est parce que ici, tous les jours, nous ensemble, nous avons prié le rosaire et la Vierge nous a protégés. Y dijeron a los expertos, dejad ya de perder el tiempo. Esto es debido a que todos los días rezamos el rosario y la Virgen nos ha protegido. Est-ce que vous voulez ces miracles dans vos familles? ¿Queréis este tipo de milagros en vuestras familias? Pardon? Oui. Je savais bien que vous aviez plus de voix que ça. Ya me parecía que teníais más voz. Je crois que la Sainte Vierge veut faire des miracles encore, des merveilles encore plus grandes dans nos vies, pas seulement des protections physiques, mais des extraordinaires ouvertures de portes, de fenêtres, de cœurs dans chacune de nos vies. Y creo que la Virgen va a hacer milagros mucho mayores, no solo físicos, sino en nuestras almas, apertura de puertas, ventanas, apertura de nuestra vida.
prenez la prière comme votre trésor que vous ne voulez lâcher à aucun prix. Tomad la oración como ese tesoro que por nada del mundo, del que por nada del mundo queréis desprenderos. Si quelqu'un est seul comme croyant dans sa famille, qu'il commence seul à faire ce que dit la Vierge, c'est-à-dire à prier chaque jour. Y si hay alguno que sea el único que reza en su familia, que haga lo que dice la Virgen, que empiece él solo rezando todos los días.